Parce qu'on pouvait complètement aller par là, en fait. Je vais juste voir Lisbeth, si elle est dans le coin. Voilà. Vous voilà. Ne restons pas ici, ça n'a pas l'air très sûr. Soyez franche, vous ne nous avez pas dit tout ce que vous saviez sur le Taurien. J'étais terrifiée. J'ai dit à la direction qu'il fallait tout arrêter. Mais on m'a répondu que si je m'acharnais, je serais la prochaine sur la liste. Quand les guettes ont attaqué, je suis restée ici pour envoyer un message aux affaires coloniales. Je voulais leur dire où trouver le Taurien, mais le courant a été coupé avant que j'aie eu le temps d'envoyer le message. J'ai essayé de les en empêcher. Oui, vous avez fait de votre mieux. Dites-moi où se trouve le Taurien. Les colons peuvent encore être sauvés. En dessous de Zoushope, mais l'entrée est bloquée. Les colons ont fait atterrir le transporteur sur l'entrée, juste avant l'attaque des guettes. Mais qu'est-ce que les guettes viennent faire là-dedans? Pourquoi sa reine s'intéresse-t-il aux Tauriens? Sans doute pour ses capacités de contrôle mental. En tout cas, c'est ce qui intéressait Exogénie. Normandie à commando. Vous me recevez? Que se passe-t-il, Joker? Je capte pas mal de transmissions guettes. Ils se dirigent vers vous, on dirait. Merci, Joker. Vous avez entendu? Ce n'est pas le moment de traîner ici. Je vous accompagne. Je pourrais peut-être vous être utile et réparer le mal que j'ai fait. Ouais, bah c'est ça, viens. Mais on repart du coup. Attendez, parce qu'il y a un endroit qu'on n'a pas fouillé dans le bâtiment. Et moi, j'aime bien tout fouiller. Bien haut. Je reprends mon arme de prédilection. Le fusil d'assaut. Voilà. Je me disais bien qu'il me manquait quelque chose. Allez, brouh. C'est bon, on peut se barrer maintenant. Je savais bien qu'il me restait des merdouilles qui traînaient. On n'avait pas tout ce qu'il fallait pour la mission. Maintenant, on peut y aller. Ça me va. C'est ok. Elle est où, Lisbeth ? Elle est pas partie toute seule, quand même.
Doudadé. Ah, il fait bon vivre sur cette planète. Oui! Oui! M'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend? Éloignez-vous de cette radio! C'était quoi, ça? C'était ta mère! Ici Juliana Benal, de la colonie Féroce. Ceci est un SOS. J'arrive, Juliana! C'est ma mère! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Eh oh, tu vas me parler sur un autre ton? Prochaine fois, je les laisse crever, ceux-là. Je vais arrêter d'être sympa et tous les sauver, là. Ne faites pas ça, Jong. Que tout le monde se taise! Laissez-moi réfléchir! Qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Faites-la sortir! T'approches pas d'elle, espèce d'enfoiré! Lisbeth! Sortez! Sortez de là que je puisse vous voir! Tout le monde! Ben, vous voilà. Je commençais à espérer que les guettes vous avaient fait la peau. Ok, tu vas t'en prendre une entre les deux yeux, toi. Le génie m'a appris des choses intéressantes sur vous. Je sais ce qui s'est passé sur Akuzé. Inutile de le réitérer ici. Ne vous énervez pas, on va discuter de tout ça calmement. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas aussi simple! Les transmissions viennent d'être rétablies. Cette colonie est devenue trop gênante pour Exogénie. Mais enfin, réfléchissez, Jong! Vous ne pouvez tout de même pas nous traiter comme des machines! Il ne s'agit pas de vous. Il y a sur cette planète quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une poignée de colons. Vous voulez leur parler du Taurien vous-même ou je m'en charge? Le quoi? C'est une créature télépathe qui vit sous Ushope. Elle prend peu à peu le contrôle des colons. Exogénie est au courant depuis le début. Vous allez nous le payer, Jong. Ça, c'est vous qui le dites. Personne ne viendra pleurer sur votre sort, croyez-moi. Ça suffit. Vous allez trop loin. Très bien. Vous l'aurez voulu. Allez, boum! Comme si les guettes et le Taurien ne suffisaient pas, il faut encore qu'on se batte entre nous. C'est ma faute. J'étais au courant de tout, mais je n'ai rien fait. Putain, pas de ça avec moi, je cette violence. Tu as fait de et tout le monde s'en fout, et c'est maintenant, génial. Commandant. Tout le monde s'en bat les couilles. Je viens d'abattre froidement un mec d'une balle entre les deux yeux. Et eux, ils sont là, oh là là, bah dis donc, quoi, c'est pas très bien, ma fille. Hein. La prochaine fois, tu me suivras. Hein. Tu seras bien gentille. Tu n'iras pas cueillir en fleurette tout seul. Dès que j'en aurai fini avec le Taurien, je reviens m'occuper de vous. Les colons ne vous laisseront pas approcher du Taurien. Ils sont sous son emprise. Ils mourront pour le protéger. Je sais, mais je n'ai pas vraiment le choix. Il doit bien y avoir un autre moyen! Je crois que j'ai trouvé. Vous pourriez utiliser un agent neurotoxique bénin pour neutraliser les colons. Une grenade incapacitante, par exemple. Balancer du gaz neurotoxique un peu partout ne me semble pas être une très bonne idée. Ne vous inquiétez pas, ça ne vous fera pas grand mal. L'insecticide que nous utilisons en laboratoire contient de la tétraclopine, un agent pouvant provoquer une dégénérescence neuromusculaire. Sur un système nerveux affaibli, ce produit aurait un effet incapacitant. Si vraiment on doit en passer par là, on pourrait modifier nos grenades étourdissantes. C'est une bonne idée. Je ferai tout mon possible. Formidable. Merci, commandant. On restera en arrière jusqu'à ce que vous ayez dégagé un chemin. Bonne chance. Un petit peu d'omnigel, pas plus mal. Alors...
Bon, bah du coup, il faut qu'on y retourne. Arrêtez-vous, c'est ma mère! Je m'en bats les couilles, putain. Comment elle m'a vénère de sortir du véhicule comme ça, là? Elle s'est trop cru chez mémé, la meuf. Allez. C'est parti. Eh ben voilà, on est bien, là. On reste ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve c'est plutôt pas mal. Ah oui, d'accord. Il y a des copains. Attends, attends, attends. Fais pas n'importe quoi, Poppy. Celui-là, c'est bon. Putain, je l'ai géré, mais n'importe comment, celui-là. Oui, c'est le marathon Mass Effect. Je le dis à chaque live, à chaque vidéo. Et mes modos ne le savent pas parce qu'ils regardent pas ce que je fais. Lololololol. C'est normal, c'est la fin de l'année. C'était compliqué. Ah, oula. Non, là vous voyez bien que c'est pas un monsieur normal, hein. Voilà. C'est pas gentil. Je ne sais pas ce qu'était cette créature, mais elle n'avait absolument rien d'humain. Interdiction de blesser les colons, même si le Taurien les force à nous tirer dessus. Servez-vous de vos grenades incapacitantes. Comme vous voulez, commandant Shepard. On va faire ce qu'on peut. Non mais défendez-vous quand même les mecs. Mais c'est Rex qui se met devant moi! Mais... Ouais, fait comme Rex prend un fusil à pompe, quoi. Mais Rex, t'as vu ce qu'il fait avec son fusil à pompe? Lol. Calmer les colons.
Rex, ça va, tu te laisses vomir dessus comme ça, tu fais rien. Il en reste un, les gars. Hold the line! Il en vient partout! Je viens d'en utiliser une deuxième pour rien. Je suis énervé là. C'est un problème, si j'ai plus de grenades, je fais comment? Tali, recule. Ils étaient 4, je crois, non? Voilà, c'était ma dernière, j'en ai plus. Bon, écoutez, on va aller voir ailleurs. Il y a moyen de se recharger en grenade? Bah, si vous retrouvez comment on fait, je veux bien savoir. Tiens. Salut. Tu peux te décaler du but, voilà. C'est un trader de la merde. Je t'ai pas venu ici.